ce soir chez vous, Mademoiselle Perry Cochin, Philippe Vandel, bonsoir. Isabelle Alonso, bonsoir. Stevie Boulet, Philippe Gueluc et Christine Bravo. Et à la fin de l'émission, je sais que vous êtes impatientes, les filles, nous recevrons le Don Juan du PAF, Patrick Poivre d'Arvor. Vous l'aimez bien, Isabelle? Patrick! Devant le JT tous les soirs, vous criez Patrick, quand de temps en temps vous appelez sur la une, parce que j'espère que David Pujadas a vos faveurs. Oui, mais surtout Laurent Delahousse. Pas? Ah. C'est vrai qu'il est sexe. Ah là, il est sexe, ce mec. Mais il a trop de petits yeux. Oh non, non, ma mère, elle dit, il a les yeux en trou de bite. Oh non! Il est beau de près. Non, non, on dit pas, on vrai, dit pas il a trop de petits yeux. Ce qu'il laisse entendre qu'il a une vingtaine d'yeux tout petits. On dit qu'il a des trop petits yeux. Il y a Samuel Etienne aussi qui est bien. Qui ça? Samuel Etienne. Samuel Etienne. Itélé et Canal Plus. Alors lui. Ah bon? C'est que du bonheur. Il est pédé. Mais on s'en fout de ça. Moi, mon préféré, c'est Léon Zitrone. C'est Paul Vermus. Mais il viendra lui aussi tout à l'heure. Avec des petits yeux. Lui mais d'abord, aussi. Passons à la revue de presse des dessins humoristiques de la semaine. Et on commence avec ce dessin de Cabu à la une de Charlie Hebdo qui nous dit qu'il faut un coach pour la France. Et évidemment, c'est l'entraîneur de Laure Manoud. Philippe Lucas, qu'on retrouve aussi cet entraîneur sous la plume de Rhys dans Charlie Hebdo, un coach pour la France. Et on voit Lucas qui dit à Laure Manoudou, allez, pas de retraite avant tes 70 ans. Le succès de Laure Manoudou a aussi inspiré ce dessin à Jules dans Charlie Hebdo. Bravo la France. C'est Sarko qui nage. Et dans sa main, surtout, il y a écrit vos papiers. Un dessin de Jules, maintenant. Jules qui nous montre que la Mitterrandine est plus qu'elle était, puisque après Roger Hanin qui appelle à voter Sarkozy, Mazarine qui, elle, appelle à voter Ségolène Royal, regardez, François Bayrou, c'est le Labrador Baltique qui le rejoint. On quitte les soutiens à François Bayrou pour les soutiens à Nicolas Sarkozy, parmi lesquels Gluckstein et Doc Gynéco. Il y a une petite série chaque semaine dans Charlie Hebdo. Vous la regardez? Oui, j'adore. Glucksmann, André Glucksmann. Oh oui, je dis Gluckstein. Oui, oui, non, non, c'était le... C'est le parti des travailleurs. Exactement, c'est le patron de Charlie. Glucksmann, le philosophe Glucksmann, ouais. Avec sa coupe de cheveux si célèbre, caricaturé dans Charlie chaque semaine avec Doc Gynéco. Regardez, ça donne Doc et Gluck, les amis de Sarkozy. Et là, on voit Vincent McDoom qui les rejoint, parce que c'est vrai que Vincent McDoom appelle lui aussi à voter pour le candidat UMP. Alors Vincent McDoom arrive vers eux et leur dit salut, Doc et Gluck, moi c'est Doom et j'aime aussi Nicolas Sarkozy. Excusez-moi les copines, mais quand je pense à Nicolas, j'ai envie de faire pipi. Et il s'en va. Et là, il y a les deux qui disent des talons de Ségolène, des poils aux pattes façon Bayrou, cette créature est un agent double. On reste dans Charlie Hebdo avec Schwartz qui lui revient sur la dernière conférence. C'était cette semaine, conférence de presse de Dominique de Villepin, le Premier ministre. Et là, on voit le Premier ministre qui dit pas de questions. Non, il n'y a personne. Formidable. C'est un de mes préférés de la semaine. Le retour de Nicolas Hulot maintenant dans le débat politique. Ça a inspiré ce dessin à Lefret Touron dans Le Canard enchaîné. Et on voit Nicolas Hulot au poste dans la télévision qui dit « Je suis ni de gauche, ni de droite, ni du centre ». Puis il y a un téléspectateur qui dit « Ni candidat d'ailleurs ». Nicolas Hulot encore sur ce dessin de Kerleroux dans Le Canard enchaîné. Et voilà, il n'est pas candidat, mais en même temps, comme ça, il dit « Moi, je suis sûr d'être encore là au troisième tour ». Passons à Sœur Marie-Simon-Pierre, sauvée par le pape Jean-Paul II. C'est Charb qui la caricature dans Charlie Hebdo. Jean-Paul II l'a sauvée. Elle dit « Bah oui, je votais Arlette Laguiller depuis 1974. Maintenant, je vais pouvoir voter Bayrou. » Dans Charlie Hebdo encore, TNews nous annonce un nouveau miracle de l'ancien pape Jean-Paul II. Regardez, il a réussi à rajeunir Giscard d'Estaing. Delambre, lui, est un dessinateur qui s'interroge dans Le Canard enchaîné. Jean-Paul II sera-t-il vraiment canonisé? Et on voit Jean-Paul II qui dit l'auréole parce que je le vaux bien. Le TGV, maintenant, qui a atteint 574 km/h, un record. C'était mercredi dernier, c'est à nouveau ce dessin de Lefret Touron dans Le Canard enchaîné. Ce matin, le TGV a battu le record du monde de vitesse, dit la dame. Et Marie lui répond, ce matin, mon train régional a battu le record du monde de lenteur.
Qu'est-ce que vous avez remarqué, Philippe? Rien, ça me rappelle, vous connaissez l'histoire du mec qui arrive en retard chez lui, tout transpirant? Non. Il dit, qu'est-ce que t'as fait? Il dit, m'engueule pas, il y a sa femme, j'ai économisé 2 euros. Il dit, fait quoi? Le bus arrivait, j'allais pour le prendre, j'ai couru derrière, et j'ai pas pris de ticket, j'ai économisé 2 euros. Elle dit, t'es complètement con, t'aurais couru derrière un taxi, t'économisais 20 euros. Un petit tour à l'hôpital avec Charb dans Charlie Hebdo, aux urgences précisément. On voit un patient qui dit, pareil qu'il manque du personnel aux urgences. On dit, non, non, c'est une rumeur. Et on termine avec Philippe Gueluc, évidemment ses meilleurs dessins de la semaine dans VSD. Un athlète faisant la liste des courses, le 400 mètres, le 800 mètres, le 1500 mètres, le 110 mètres, ouais, etc., etc. Et puis, je vous demande, chère Christine, de ne pas être choquée par ce dessin. Regardez, c'est terrible. Moi, je suis choquée. Miam, miam! Je sens que je vais me régaler, moi, avec des beaux pilons de poulet rôtis à poids. Rien à dire. Ah, et vous êtes fier de vous, Philippe Gueluc? Mais j'avoue, oui. Mais ça peut être vu par tous les publics. Mais oui, c'est l'avantage de ne pas faire de détails, c'est très beau. Voilà. Et de l'avoir fait, vous avez remarqué que je l'ai mis en couleur, en noir et blanc. Oui. Parce que si je l'avais mis en couleur, on n'y aurait pas cru dès le départ. Ah oui, t'es con. Ah oui, parce que ça t'aurait été rouge. Parce que non, le mec était brûlé, tu vois. Mais dans ces cas-là, il y a quelqu'un qui pose pour vous. Non, c'est dans le miroir, vous voyez bien que celle de gauche est à droite. Alors que nous ne sommes plus qu'à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle, un homme inconnu au bataillon de la politique est en train d'émerger et pourrait bien être le seul capable de sortir la France de sa triste situation. Son nom, c'est Guillaume Delacroix. Il a 38 ans et son programme, eh bien, il l'expose dans ce petit livre « Laissez-moi sortir la France de ce mauvais pas » publié aux éditions privées. On y trouve 101 propositions pour sauver notre patrie, parmi lesquelles propositions. J'en ai pris au hasard. Payer les fonctionnaires au noir. Transformer les parcs-mètres de nos villes en machines à sous. Interdire aux borgnes de se présenter à l'Élysée et des tas d'autres de ce genre. J'ai trouvé ça plutôt drôle. Je ne sais pas vous, vous allez me le dire dans un instant. Voici Guillaume Delacroix. Merci de m'accueillir. Alors, ce qui est surtout amusant aussi, c'est ce petit bandeau rouge sur lequel est écrit « Le livre de Monsieur Delacroix est la meilleure chose qui soit arrivée aux Français depuis moi ». Citation de Charles de Gaulle. Non, mais alors là, c'est vrai, c'est rigolo quand même. Ça vous fait pas... Je sens que ça... Ah, moi, fait j'adore. Pas... J'adore. Ça ne fait pas rire, Christine Bravo, je le vois. C'est bon signe, Laurent, ouais. C'est bon signe. Non, je trouve ça à chier. Alors, non. Non, mais c'est pas ça. Alors, tu veux me donner la parole en premier? Oui, oui, alors. D'habitude, tu veux ménager les invités. Ah, oui, mais après, il y a des tas d'avis positifs, je vous rassure. Non, alors, merci. C'est comme je suis de droite et je vous emmerde. C'est le genre de livre qui ne sert à rien. C'est pas drôle, c'est pas pertinent, c'est pas intelligent. Pour moi, c'est un coup d'éditeur raté. Et alors, par exemple, effectivement, retirer le droit de vote aux Français de plus de 80 ans, permettre aux chômeurs de longue durée d'échanger certains de leurs organes contre un CDI. Alors j'imagine l'éditeur, je pense même pas que ce soit vous. Virer j'imagine... William Lémergie de Télématin. Voilà. Ça, c'est drôle. J'imagine le publicitaire là derrière qui s'est dit... Allez, ça va être repris dans les journaux, ça va polémiquer, les gens vont dire quel salaud, donner les reins des chômeurs, etc. Alors que c'est rien, c'est juste... Mais pas du tout, c'est juste fait pour rire. Oui. Eh ben, j'ai trouvé ça con, ça m'a pas fait rire. Alors... C'est pas de bonne humeur. Forcément, si vous avez pris ça au sérieux, c'est sûr que là... Non, là... j'ai pas pris ça au sérieux, je n'ai pas ri. Moi, écoutez ça, par exemple, la 40e proposition, condamner à mort toute personne ayant tenté de se suicider. Mais oui. Voyez, regardez, voilà le résultat. Voilà. Ça fait rire tout de suite. Laurent, celle-là, elle est géniale. Non, j'aimerais quand même répondre à Christine. Oui. Ah, oui. Quand je vois ses lunettes, je me dis qu'on n'a pas le même humour, ça c'est sûr. Quoi. Mais c'est dommage. C'est vraiment... Ah, vous m'attaquez avec Guy Carlier sur physique? Je suis mal placé, oui. Isabelle, allons-en, vous. Moi, ça m'a beaucoup fait rire parce qu'effectivement, j'ai cru y discerner quelque chose qui ressemble à du second degré. Par exemple, la mesure numéro 82... Autoriser le travail des enfants dès l'âge de 5 ans pour qu'ils financent eux-mêmes leur enfance. Bon, je crois que c'est... Enfin, mais je dis ça, va. Je dis que ça me fait pas ça rire. Ça va du très con au super con, oui, au méga con, ah, bah, en passant même, par ouais, l'atroce. Et c'est franchement très drôle. Moi, j'ai beaucoup ri en lisant. Confier le ministère de la Justice à l'homme qui connaît le mieux en France les rouages de notre système judiciaire, Bernard Tapie. Voilà. Ça, c'est très bon. Perry. Ouais,
qui m'a fait le plus rire, c'est obliger les femmes travaillant dans les cabines de péage sur nos autoroutes à exercer leur profession seins nus. Une petite attention. Sylvie. Il y en a une un peu méchante quand même. C'est la numéro 90. Envoyer Jeanne Moreau sans maquillage dans les banlieues pour faire peur à la racaille. Non, ça, c'est pas trop sympa. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Mais regardez comme ça a fait rire quand vous l'avez dite. Moi, ma préférée, ça a été la 29. Supprimer l'héritage dans les couches les plus populaires de notre pays pour éviter que les chiens et chats en porcelaine, les coussins brodés, les gourmettes en argent se transmettent de génération en génération. C'est pas très gentil. Il y a les dernières lignes qui sont marrantes aussi. 80 à 88, François Mitterrand. 88 à 95, encore François Mitterrand. 95-2002, Jacques Chirac. 2002-2007, Jacques Chirac. Croyez-vous vraiment que les Français feraient redoubler leur président s'ils étaient vraiment satisfaits d'eux ? Ça, c'est drôle. Ah, merci. Ça, c'est drôle. Allez, on va pas vous embêter plus. C'est à acheter, c'est drôle. Laissez-moi sortir la France vous de lui ce... Cirez les pompes depuis tout à... Vous lui cirez les pompes depuis mais tout toi, à l'heure. Mais toi, tu nous casses les couilles. Ça l'embête. Merci. Et puis, je vais vous dire, il est aussi l'heure d'accueillir quelqu'un, grâce à qui, d'ailleurs, on a invité monsieur, parce que c'est en lisant François, le papier de Paul Vermus, que j'ai trouvé ce bouquin et quelques extraits de ce bouquin. Alors, c'est un peu grâce à lui que vous êtes là ce soir. Voici Paul Vermus et ses popolades. Paul. Oui. Voilà. Je rends à César ce qui est à César. J'aime bien parce qu'il est dans la grande tradition des dadaïstes, des surréalistes. Si vous... mais si, ma belle, mais si. Tu ferais mieux d'aller au Queen au lieu oui, de décrire des comédies. Oui, on va pas recommencer, mais c'est une obsession, hein, franchement. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, mon petit Laurent, vous avez c'est, son mec. C'est son mec. Oui. Non, mais non, mais le Laurent, je dois... Alors, Laurent, mais si, si, c'était lui que j'ai vu avec toi dans la rue, bras-dessus. Oui, si, maintenant, je me rappelle. Mais à vous, Paul. Eh non, dites en vrai. Enfin. Enfin, il lui ressemblait. Non, mais non, je crois qu'il faut aller se reposer. Hein. Moi, je pense qu'il y a le SAMU en double fil pour vous. Je sais pas. Pensez à autre chose. Vous êtes obsédé. Je sais pas. Ou vous êtes amoureuse de moi. Ou je sais pas. Mais calmez-vous. Non, mais c'est pas possible. Ouais, mais c'est mon drame. Je suis toujours amoureuse des PD. Mais qu'est-ce que c'est? Elle est folle. Mais qu'est-ce qu'elle a besoin de raconter? Mais non, mais vous êtes totalement folle. Mais non, mais vraiment, je viens ici. Calme. Zen pour donner de bonnes informations. En même temps, il a raison, il y a bien un jour, il faudra que vous fassiez votre communication. Mais j'ai pas du tout envie de le faire. Non, mais ça va pas, non, mais pensez parler pour vous. Moi, ah, bah ça y est, c'est fait. Non, c'est pas périple, prenez ma décision. Mais quoi ? Non, mais on n'a jamais couché ensemble, ça va pas. Ah, voyez, encore une preuve. Parce que vraiment, c'est pas une preuve, un mec qui a pas couché avec Péricochin, faut vraiment qu'il soit pédé. Paul, vous êtes venu pour nous donner quelques indiscrétions. Je croyais que j'étais venu là pour vous apporter des informations. Et vous avez. En main. Non, écoutez, moi j'ai envie qu'on commence tout de suite par votre scoop parce que je n'en reviens pas. C'est une idée tellement de génie, j'y avais pas pensé et je veux bien y croire à votre scoop. Bon. Jacques Chirac. Alors bon, la rumeur va bon train, on en parle dans les couloirs de la République de plus en plus et on se dit si le président Chirac était candidat à un siège au Sénat. Et figurez-vous que l'Élysée ferait tout pour que l'un des sénateurs, et pas n'importe qui, c'est le sénateur de Corrèze, il s'appelle Georges Mouly, il a 76 ans. Et il laisserait son siège à Jacques Chirac. Ça, c'est le premier chapitre de l'histoire. Parce que ça va plus loin que ça, messieurs. Ça va, oui, bien sûr. Alors, bon. Alors une fois qu'il est entré dans quelques mois au Sénat, qu'est-ce qui se passe ? Christian Poncelet, le président du Sénat, a été président à deux reprises. Il n'est pas question qu'il se présente à un troisième mandat. Son mandat viendra à échéance. Bon, il s'en va. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? On sait bien que le Sénat a une majorité de droite. Et s'il se présente au Sénat comme président, il sera élu par cette majorité, c'est obligatoire. Et s'il est élu, il devient le deuxième personnage de l'État, hiérarchiquement. Vice-président. Et s'il y a empêchement, c'est-à-dire si Nicolas Sarkozy ou Ségolène Royal ont un problème, il devient président par intérim. Et on recommence, voilà l'histoire. Jacques Chirac, alors... président du Sénat, c'est le scoop. Mais c'est pas idiot. Magnifique, Vermus. Ouais. Vous me flattez, attendez un peu, c'est alors, une hypothèse. Deux scoops comme ça dans la même soirée. D'abord, faire venir sur le plateau votre nouvel ami. Ça déjà, c'est une première chose. Ami, hein, oui. Deuxièmement, nous dire que Chirac va être président du Sénat. Et alors, troisième scoop, Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, l'un ou l'autre à l'Élysée, qu'est-ce qu'ils font ? Je vais vous dire, la première chose qu'ils vont faire, ils vont faire entrer quelqu'un au Panthéon. Et pas n'importe qui.
il s'agit de Lafayette. Pourquoi ? D'abord pas pourquoi. Il y a une fondation. La fondation. Non, je dis pas pourquoi. D'abord pourquoi pas. D'abord pourquoi pas. Après pourquoi. Mais d'abord. Et après bon, pas pourquoi pas. La Fondation des droits de l'homme a pris contact. Mais c'est pas le même, hein, parce que M. Sarkozy veut faire rentrer le général. Non, 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 non. Il faut faire rentrer les galeries, Lafayette. C'est le seul point commun entre les deux. C'est-à-dire. La Fondation des droits de l'homme, écoutez un peu et soyez sérieux, parce que là aussi je vous donne du lourd et je ne vous en donnerai pas tous les jours. Ça n'arrive pas tous les jours, des informations. Tu ne nous as pas habitués à bon, ça. Bon, ça va, depuis que vous faites de la pub pour les assurances, il faut mieux de vous calmer. Une assurance vie peut-être. Hein. Alors, ça va, oui. Ne perdez pas la vôtre. Non, vous avez une telle assurance. Ça suffit. Bon, maintenant. Hein. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? La Fondation des droits de l'homme a écrit à tous les élus, députés, sénateurs pour leur demander leur accord. On a les accords. Les plus prestigieux historiens ont écrit personnellement au président de la République. Qui, bien sûr, ne peut pas dire non. Alors, pourquoi Lafayette au Panthéon? Parce que d'abord, il fut le prof... Ou pourquoi pas? Pourquoi pas? Et oui, pourquoi pas? Et pourquoi tout de suite? Oui, et, oui. Ah, voilà, pourquoi pas? Alors, pourquoi pas? Ouais. Alors, attendez, Laurent, venez là, c'est ici que ça se passe. Hein, soyez gentil. Putain, en plus, elle fume hein, le bon. Pétard. Venez là, venez là. Qu'est-ce qu'elle a dit, la folle? Bon, non, non. Allons-y. La Vermus nous donne des nouvelles de Lafayette. C'est le nom de ça. Et ça vous fait rire. Et ça les fait rire. Ça s'intéresse à Lafayette. Vous avez vu ça. Comme ça, là. Mais enfin, Lafayette n'est pas celui que vous croyez. Il a été marié. Et après, ça va être Tati. Non, mais bon. Et puis la Rochefoucauld. Mais je sais pas pourquoi vous faites une fixette sur un truc absolument démon. Je comprends pas. Bon, alors, pourquoi? Pourquoi ou pourquoi pas, Laurent Ruquier? Pourquoi pas? Alors, pourquoi? Lafayette, il a été le prophète du suffrage universel. Vous êtes d'accord? Oui. Ben, vous le saviez pas, je vous l'apprends. Vous dites pas oui. Dites, ah, je savais pas. Bon. Il est, non, il est, non. Bon, il est l'inspirateur. Ça devient de funeste, Vermus. Ça devient de funeste. Attendez, non, soyez gentil. Non, 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 moi je travaille. J'ai, non, non, vraiment, je suis venu en moto ici, tout ça. En moto? Oui. Bon, alors non, soyez gentil. Hein. Bon, il est l'un des inspirateurs. Elle fait de la moto. Ah ben, t'avais pas entendu. Elle est motarde. Heureusement, j'ai pas parlé parce que moi, en revanche, j'ai des dossiers sur toi. Donc avec moi, sois gentil. Oh là là là. Bon. C'est la. Non, on revient. Elle a pas mis ses bottes. Elle a mis ses mocassins. Non, mais elle veut nous faire croire qu'elle est venue en moto. Non, mais... Regarde les mocassins. J'ai des petits mocassins en daim tout à fait classiques que je vais vous présenter avec un petit voilà. Voilà, bon. Les mocassins à gland, c'est pour la nuit. Bon, alors on peut travailler ou pas travailler ici? Bien sûr. Bon, alors je reviens. Je reviens, je m'installe, on fait comme si on n'avait rien fait et on commence. Hein. C'est un des inspirateurs de la Déclaration des droits de l'homme. Qui ça? Bah, on parle de Lafayette, écoutez un peu. Bon, d'autre part, il a défendu les Indiens et les Noirs aux États-Unis. Bien sûr. Il a défendu les protestants et les juifs en France. Donc, il y a mille raisons pour les... D'abord, et en plus, la première personne à être entrée au Panthéon, c'est Mirabeau, son ami. En quelle année? Si je veux vous donner l'année. Lorsque le Panthéon a été inauguré, et il y a 73 personnalités. Non mais c'est pas possible. Je sais pas, le seul sérieux c'est Vandel. Qu'est-ce que vous faites? J'ai besoin d'un avocat maintenant ici. Non, regarde, je vous écoute et bon. je vous regarde gesticuler comme ça. Je gesticule parce que vous me mettez dans tous mes états, je veux dire. C'est un ventre. Des alcooliques ici, des névrosés, des psychopathes, vraiment. Allez, défendez un peu Paulette, enfin vous. Bon, alors on y va. Je vous dire une chose, il va y avoir un Lafayette Day aux États-Unis le 6. Un Lafayette Gay. Day, de Boston. Bon, écoutez, c'est pas moi, c'est la fin de la semaine qui vous met dans ces états, Laurent, ou quoi? Faut aller vous reposer, je crois que ça va pas bien non plus. Vous avez pour entendu vous, hein. Comme moi, il a dit gay. Mais non, oui, enfin. Il a dit gay, hein. Non, vous commencez sérieusement à me gêner, là. Moi, je sais pas. Même vous, vous faites rien pour moi. Mais vous connaissez ma vie. Mais bien sûr, je connais sa vie. Bon, absolument. Alors... Il a une délicieuse épouse. Ça ne veut rien dire, mais bon. On a reçu un écrivain, là. C'était hier, je crois, qui parlait de la femme de Vermus qu'il avait rencontrée. Paul Vermus avec sa femme, je sais pas où. Bien sûr. Yves Le Corbeil, alors on peut y croire. Alors, écoutez. Je veux vous dire ici, c'est un... Moi non. aussi, je connais sa femme, Yves Lecoq. Bon, oh. Il est vrai que si Yves Lecoq fait cette carrière, c'est grâce à moi. Il y a l'autre qui dit «
j'ai pas pris le meilleur exemple. Mais non, mais. Non, mais Laurent Ruquier, oui. C'est moi qui ai présenté lorsqu'il avait 20 ans le. On s'en fout, alors Lafayette, au Panthéon, il faut retenir ça. Bah ouais, et je vous parlais du Lafayette Day le 6 septembre aux États-Unis. Et donc Sarkozy et Ségolène Royal sont tous les deux d'accord là-dessus. A priori, oui. Parfait. Oui. Un mot peut-être sur Georges Clooney. Alors, Georges Clooney vient de subir une opération de chirurgie esthétique. Il s'est fait refaire les paupières. Et pourquoi ? Alors, vous lui demandez pourquoi il s'est fait refaire les paupières. Et Georges va vous répondre. Il va vous expliquer tout simplement devant la caméra pour paraître plus éveillé. Ah, tu devrais le faire. Ah, j'attendais celle-là. Alors, en parlant de chirurgie esthétique, il y a tout à faire chez vous. Hein. C'est la tête et les pieds. Hein. Et puis, j'ai encore une information encore plus importante. Oui, que vous n'avez vue nulle part. Enfin, j'imagine. Je pense qu'il y a du divorce dans l'air à la Maison Blanche. Oh, ah, alors. C'est du scoop, ça. Alors, ouais. Ça Laura Bush. Laura qui? Bush. Bush. Mais c'est pas vous qui allez me donner des leçons d'anglais, oui. Laurent Ruquier. Bon, enfin, vous avez bien dit Bush. Alors, Laura Bush. Alors, Laura Bush. C'est vrai. Alors, pour l'instant, il n'est pas question de divorce, il est question de séparation. Le président aurait peut-être plongé. Replonger dans quoi ? Dans l'alcool. Voilà la bibine. Ce qui veut dire qu'on devient... Ça, vous connaissez ça très bien. Dès qu'on boit, on devient caractère. Hein, on perd la tête, on dit des insanités, on insulte ses amis. En fait, on n'est pas normal, ce qui est votre regarde cas. La mauvaise. Ouais, ouais, bah, la mauvaise, tu vas voir tout à l'heure. Et alors donc, on va le voir bientôt d'ailleurs dans la presse américaine. Oui. On a appris beaucoup de bonnes choses grâce à vous, mon Polo, aujourd'hui. D'abord, l'existence de ce livre plutôt amusant. Et puis alors, surtout... Jacques Chirac, président du Sénat, Lafayette au Panthéon et le divorce de monsieur et madame Bosch. Et ça, croyez-moi, peu de gens le savaient. Merci, Bush. Paul. Vous pouvez repartir ensemble. Merci beaucoup. Laissez-moi sortir la France de ce mauvais pas. Guillaume Delacroix aux éditions privées. Les vacances d'été approchent et les bourrelets sont toujours là. Il est temps de faire un petit régime. Mais attention, pas n'importe quel régime, j'ai l'impression d'être Pierre Belmar. Avec le docteur Yann Rougier et son ouvrage « Voulez-vous maigrir avec moi ?» publié chez Albin Michel, 17,50€ TTC. Vous allez découvrir une nouvelle façon de mincir, sans stress, sans privation et sans frustration. Comment est-ce possible, vous demandez-vous? Grâce à la méthode Slim Data, élaborée par le docteur Yann Rougier lui-même, contre 32 390€ payables en une seule fois. Donc, je raconte. Et oui, c'est l'époque des régimes. Alors pourquoi pas ce nouveau livre « Voulez-vous maigrir avec moi ?» Accueillons tout de suite le docteur Yann Rougier. Bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir. Bienvenue. C'est vrai que la première chose qu'on regarde quand on reçoit un spécialiste de la nutrition, c'est déjà s'il n'est pas trop gros. Parce que ça, sur vous, ça a l'air de fonctionner, en tout cas. Ça fonctionne. Limite trop, peut-être. Un peu trop maigre, oui. Le sport. En tout cas, vous avez certainement un excellent attaché de presse chez Albin Michel, parce que c'est vrai que de tous les bouquins qui sortent chaque année, et régulièrement, c'est à la même époque, là, quand le printemps commence à poindre et qu'on n'est pas encore arrivé à l'été, et qu'on se dit, voilà, cet été en maillot, comment je vais être ? On voit fleurir effectivement des tas de nouvelles méthodes et manifestement c'est la vôtre qui semble retenir l'attention des médias ces derniers jours et dernières semaines. Coup de chance ? J'espère simplement pas un coup de chance. Je pense que derrière la méthode, et c'est très bien, je vous remercie de l'avoir souligné, c'est une méthode minceur et non pas un régime. Parce qu'on sort de 50 ans de régime et on sait qu'au bout de 50 ans de régime, les gens des pays industrialisés vont vers une obésité progressive. Donc il y a un sentiment d'échec par rapport au régime. C'est une méthode minceur, un programme minceur avec un concept de base extrêmement important. C'est qu'elle repose sur le fait qu'on ne peut pas avoir une minceur durable, une minceur santé, si ce n'est pas précédé par une phase d'équilibre des organes minceurs et des centres qui contrôlent ces organes minceurs. Et en plus, là c'est quand même nouveau, avec vous, plus besoin de calculer les calories dans tel aliment, tel truc, d'additionner aujourd'hui, j'ai pris tant de calories, voilà, demain il faut que j'en mange moins. Votre méthode, en gros, elle est résumée. 20 ans de ma vie sont résumés dans ce tableau. Voilà. Alors, n'achetez pas ça, essayez de piquer ça dans les librairies. Puisque c'est à l'intérieur du bouquin, vous pouvez arracher le truc. Alors, mon éditeur y avait pensé, c'est pour ça que le livre est slivé. Ah merde, alors. Moi, je l'ai reçu, évidemment, avec déjà le plastique en moi. Précision très importante, c'est qu'il y a trois couleurs, vert, orange, rouge, mais avec un point très, très important, c'est que le rouge
Oui, vous le violet. Manu, il y en a quatre. Vous avez bien vu. Le violet, c'est une classification de choses alimentaires qui, à mon sens, ne porte pas le nom d'aliment. D'accord. C'est ce qu'il faut surtout pas manger. Ce ne sont pas des aliments anti-minceurs. Je les considère comme des aliments anti-santé. Mais est-ce que vous avez pensé aux daltoniens qui vont grossir avec votre connerie? Monsieur Guéluc, non. Mais la prochaine édition en tiendra compte suite à votre pertinente remarque. Je peux quand même m'arrêter deux secondes sur la zone violette, justement, ces produits qu'il ne faut absolument pas manger. Il n'y a pas marqué dans toute la méthode, il n'y a rien qui ne faille absolument pas. Enfin, faire. C'est quand même écrit à éviter. Pas plus de deux fois par mois. Par contre, je pense qu'avant de souligner la zone violette, peut-être qu'on peut, je dirais, valoriser les zones autour. Ah non, moi j'aime bien démarrer tout de suite par ce qu'il ne faut surtout pas prendre. C'est d'abord j'accepte le défi. Les cacahuètes, ça, il faut surtout pas. Ah oui. Alors, j'ai pas dit surtout pas. Les deux fois par mois. Alors, deux points. Le cacahuète, d'abord, c'est vrai, est très riche en graisse, mauvaise, entre guillemets, parce que lourde. Mais en même temps. On peut revoir les cacahuètes de Guéluc. Les cacahuètes de Guéluc. Éviter totalement. Celle-ci, peut-être. Deux fois par mois. Là, il y a un truc terrible dans la zone violette, parce que moi, je pensais parfois certains. Soir. Mais c'est vrai, en plus, je n'invente pas ce que je vous raconte. Parfois, j'ai du boulot, j'écris sur mon... Enfin, parfois, j'ai du boulot, j'ai tout le temps. Parfois, je suis chez moi, devant mon ordinateur, à bosser et tout. Et puis, eh bien, je me dis, bon, il faut que je perde un peu de poids. Je ne vais pas dîner ce soir. Et ce que je fais, je bouffe biscotte sur biscotte pendant que je tape à la machine, sur mon ordinateur. Et je vois que les biscottes sont violettes. Les biscottes, c'est une sorte d'image d'épinal des 40 dernières années où c'était le pain du régime. Alors, il se passe une chose, si je peux me permettre juste un point très important, je le souligne pour que toute mon interview ait un sens. Toute cette classification est fondamentalement non liée aux calories. Et on sort de 50 années de régime hypocalorique où on est parti d'un postulat très simple, c'est vous avez grossi, c'est parce que vous avez trop mangé. Entre parenthèses, vous manquez de volonté. Il y a une petite culpabilisation derrière, pas négligeable. Donc, pour mincir, c'est très simple. Il suffit de moins manger et de faire du sport. Je résume 40 ans approximativement d'hygiène alimentaire. Alors, c'est mathématiquement juste, mais c'est biologiquement et humainement faux. Notre nourriture a plus changé en 50 ans, au niveau modifié, qu'en 50 siècles. Cette modification alimentaire liée au progrès donne des informations au niveau de la digestion qui dérèglent progressivement certains sens. Et le pain, la baguette, le riz, c'est fabuleux. Ça dépend s'il est complet, demi-complet, comment vous le cuisinez. Artisanal. C'est-à-dire que vous allez retrouver du riz, si vous lisez attentivement, en zone orange, voire verte, s'il est complet. Le même riz, pré-cuit au micro-ondes, prêt en 3 minutes, passe zone rouge, voire violette, pour une raison simple, c'est que c'est du sucre pur. Et que ça donne un impact à votre organisme qui lui est complètement inconnu. Et ce sont ces aliments qui sont des anti-aliments qui dérèglent des centres de contrôle. Si c'est vrai, ce qu'il raconte, c'est génial. Merci. Si c'est vrai, Moi, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste. Maintenant, on se rend compte que dans la psychiatrie, on est en train de donner des neuroleptiques pour des maladies qu'avant on soignait par la psychanalyse, parce qu'on se rend compte qu'il y a des désordres, vous parlez de la sérotonine, que le cerveau reçoit des fausses informations, qu'il faut rééduquer l'unité centrale du corps humain, qui est le cerveau. Alors, pas le cerveau entier, le centre de la satiété, c'est lui qui contrôle l'alimentation. Mais donc on est en train de trouver des moyens de rééduquer le cerveau pour des tas de choses, pour les gens qui souffrent d'addiction. Alors, si c'est vrai, ça serait la démarche la plus intelligente depuis bien des années. C'est-à-dire que vous dites bien, expliquez ce que ça fait au niveau de l'insuline et du pancréas. Donc nos aliments ont plus changé en 50 ans qu'en 50 siècles. L'alimentation s'est mondialisée. Ça impose une chose, la conservation. Un paquet de farine bise et grise qui dure 3 semaines, ensuite il y a des petites bestioles, des moisissures, ça ne va pas du tout. Donc on raffine l'aliment. L'organisme n'a pas l'habitude, depuis 50 siècles, il digère des choses avec plein de choses tout autour. Quand on se met à le digérer, l'information, notamment sur le pancréas, il y a une petite déformation. Et le pancréas sécrète un tout petit peu plus d'insuline parce que l'index glycémique de cet aliment est beaucoup monté. Ce qui ne gêne pas au départ, on peut digérer. C'est pour ça que c'est trompeur. Les aliments, on peut les digérer, c'est ensuite le métabolisme. Il va se passer une chose, c'est qu'à un certain moment, la digestion se fait, le sucre rentre dans les cellules grâce à l'insuline. Mais le cerveau, Mais il reste un tout petit peu d'insuline dans le sang. Et l'insuline a fait son boulot d'insuline. Ouais. Elle va digérer un peu de notre propre sucre dans le sang. On va devenir légèrement hypoglycémique. Voilà. Or, le cerveau ne se nourrit que de deux choses. Que de sucre. Le sucre et d'oxygène. Voilà. L'oxygène, on respire couramment, donc ça roule, quoique avec la pollution, il faut voir. Et donc le sucre, dès qu'il y a un manque ressenti au niveau sanguin de sucre, le cerveau passe dans une sorte d'emergency mode. Il crée faim. Une fausse faim, voilà. Et très important.
il passe en mode adrénalytique. Voilà. C'est-à-dire que c'est le cerveau ancestral, quand on avait faim, on partait à la conquête de la nourriture. Donc il faut être fort, tonique et musclé, et agressif. C'est pour ça qu'on dit que ventre affamé n'a pas d'oreille. Parce qu'on est agressif, on spatialise moins bien. Vous arrivez hypoglycémique au restaurant, le garçon n'arrive pas assez vite, vous commandez la corbeille de pain, vous êtes impatient, il y a des choses qui bougent. Ça descend un peu votre sérotonine, et ça c'est fâcheux, parce que le centre de la satiété est directement lié à cette présence de sérotonine. Pourquoi on ne file pas alors des médicaments à base de sérotonine? Et pourquoi pas prendre une méthode qui recale la sérotonine juste par des associations alimentaires? Donc c'est pour ça que c'est génial si ça marche. C'est pour ça que j'ai créé ça. Alors, Isabelle. Plusieurs questions strictement perso et après je vais passer à autre chose. D'abord, le champagne, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on ne peut pas, est-ce que c'est bien, est-ce que ce n'est pas bien? Rouge, jaune, vert, bleu? Une réponse immédiate. Un bon champagne est bon pour la santé, un mauvais champagne est mauvais pour la santé. Comme le vin et le pain, on peut prendre du champagne. Vous êtes contre le lait de soja alors qu'on m'a toujours dit que c'était vachement bon pour la santé. Alors, c'est une information marketing. On est malheureusement sous l'emprise, l'alimentation est sous l'emprise marketing et non scientifique depuis une quarantaine d'années. C'est une information marketing. Il faut toujours se méfier de quelque chose que l'on consomme dans un pays, qui vient d'un autre pays, et quand on sait que les habitants de ce pays le consomment ou pas ou différemment. Caroline Diamant, qui était ici hier, oui, qui a été mise au courant que vous alliez venir, oui, m'a donné un message pour vous. Si vous acceptez de la prendre en charge, je ne consulte... de vous occuper d'elle. Oui. Elle accepte de poser à poil avant, après, pour l'émission. Voilà. Je ne connais pas cette dame. Regardez-la d'abord. Mais je réponds quand même que, sans cette promesse extrêmement prometteuse, c'est vraiment le cas de le dire, je pense que je répondrai à ces questions avec grand plaisir. Tout le monde n'a pas l'air d'accord. Terry, allez-y. J'ai le sentiment qu'il y a un peu d'intox quand même dans votre bouquin. Parce que déjà, quand citez-la moi, je vais essayer d'y répondre. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on a l'impression qu'en lisant ça, on va perdre, même si on a 45 kilos à perdre, on va les perdre. Si vous avez bien lu, j'ai justement mis exactement le contraire. Oui, justement, mais c'est pour ça qu'il faut le dire. On ne l'a pas dit jusqu'à maintenant. On parle de régime, on parle de minceur et tout. C'est vraiment le bouquin qui vient en supplément du dernier magazine Elle ou je ne sais pas quoi pour perdre les 3-4 kilos en trop qu'on a. C'est absolument pas pour maigrir. Je peux me permettre de répondre. C'est les plus durs à perdre. C'est mincir, voilà, et pas maigrir. Mot pour mot, ce que 3 kilos, c'est ultra facile. Si je peux me permettre. C'est que ça s'arrête à 3 kilos. Mot pour mot, ce que vous venez de dire, pardonnez-moi, le livre exprime exactement le contraire. Mais ce n'est pas du tout une critique, c'est un constat. C'est-à-dire que je me suis limité effectivement à 45 kilos, même j'ai dit au-dessus de 25, pour une raison simple, c'est que quand on dépasse un certain surpoids, il y a vraiment des problèmes de santé qui se greffent. Il est indispensable d'avoir des conseils spécialisés avec un médecin, un diététicien. Par contre, quel que soit le poids, je travaille avec des gens en clinique jusqu'à X dizaines de kilos en plus, cette méthode a une propriété, c'est qu'elle associe vos aliments pour qu'ils délivrent à votre corps un message de rééquilibrage et un message minceur. Ça se transforme en ça dans votre corps. Donc vous allez à un moment rééquilibrer le centre de la satiété, voilà, et c'est votre cerveau qui va décider lui-même, oui, de rejoindre son juste poids. C'est ce qui fait, je dirais, toute l'originalité et l'efficacité de cette minceur. Et on conclut avec Philippe Gueluc. Je pense que si on est bien dans sa tête, on va forcément aller, voilà, mieux vers une nourriture plus saine, plus équilibrée, et qu'on va perdre du poids, même sans manger forcément moins ou être bien dans sa tête, c'est primordial. Parce que, selon l'expression « j'en ai gros sur la patate, Laurent », regardez où se trouve la patate dans le tableau, c'est dans le mauve. Et donc, c'est pas bon. Chez Albin Michel, l'autorien Rougier, la nouvelle méthode pour maigrir, la méthode Slim Data. Merci à vous. Merci beaucoup, monsieur Riquet. C'est difficile d'expliquer les choses simplement. Mais vous avez été clair, vous avez été clair. Allez, avant notre dernier invité, Patrick Poivre d'Arvor. Hop, tout le monde dans la campagne. Et on commence par vous, Philippe Vandel, qui vous êtes intéressé à monsieur Barouin, le nouveau ministre de l'Intérieur, ex-Harry Potter, depuis qu'il n'a plus de lunettes, on ne peut plus l'appeler ainsi, le gendre de Michou, on l'appelle aussi. Oui. Non, ce n'est pas son gendre d'ailleurs, c'est son beau-cousin, son beau-neveu à Michel Drucker. Comment? Exactement. On va voir les photos d'Angala. Avant, c'était un homme politique et maintenant, c'est un people. Parce qu'il est ministre de l'Intérieur et depuis qu'il est avec Marie Drucker. Alors, on a appris des choses dans ce papier. On apprend une chose qu'on savait déjà, qui nous a fait rire, c'est que Jacques Chirac l'a nommé ministre de l'Outre-mer alors qu'il déteste l'avion. Il en a une peur panique puisque son père était mort dans un accident d'avion. Tragique. Alors, c'est écrit à la Gala, ce qui m'a beaucoup fait rire. Écoutez cette phrase, et que Gala qui peut sortir ça. Pourtant, la carrière politique de ce surdoué n'était pas gravée dans le marbre. Adolescent, il aimait pêcher à la ligne. Quel est le rapport quand même? Non, mais on se dit, mais qu'est-ce que ça peut faire? Mais alors sinon, au-delà de ça, on apprend plein de choses. On apprend, ils ont fait parler ses vieux copains, ils tiraient des pénaltys, il collectionnait les vignettes Panini, il aime bien le football. Il a été disc-jockey à 20 ans, il passait des 33 tours dans une boîte du 5e arrondissement dont personne ne connaît le nom. Et
c'est un très bon imitateur de Louis de Funès. Ça veut dire que si un jour il va sur des plateaux télé, il va pas manquer d'y aller, on va lui demander l'imitation. Cruchot, place Beauvau, quoi. Ah, voilà, mais vous imaginez le duo avec Laurent Ruquier, voilà. Et voilà. Et j'apprends aussi que son vieux copain, c'est Julien Drey. Bref, une espèce d'agiographie, c'est un type formidable, on donne son surnom. Et alors... Mais, ce qui est dingue, c'est que dans le Nouvel Obs, on nous dit qu'il y a une première vacherie de Sarkozy, ex-ministre de l'Intérieur, sur le nouveau ministre de l'Intérieur. C'est un proche de Sarkozy qui le raconte. Il dit que M. Sarkozy, au lendemain des émeutes à la gare du Nord, M. Sarkozy a dit « Regardez, Barouin, il a attendu le lendemain pour y aller. Moi, Sarkozy... j'y serais allé le jour même. » Ça, si c'est pas vache, déjà. Isabelle Alonso, alors, vous êtes intéressée à un papier dans Paris Match sur, on peut le dire, la taille, comment on dit ça, la silhouette de Ségolène formes, Royal. La silhouette de Ségolène Royal, mais pas seulement. C'est un article qui nous raconte comment les candidats font pour se maintenir en forme à travers ce marathon qui est une campagne électorale. C'est super intéressant parce que chacun a sa méthode. Bayrou, par exemple, c'est un calme, il marche. Mais il se plaint par ailleurs qu'il n'a pas le temps de dormir, donc il risque un peu de somnambulisme. Mais il a sa méthode. Sarkozy, lui, il court deux fois par semaine en public pour que tout le monde le voit. Ségolène Finaude, elle va faire du power plate. C'est quoi le power plate? Le power plate, c'est un truc génial. C'est-à-dire que c'est une machine qui vibre. Et vous vous accrochez à la machine. C'est vous pas son téléphone, des fois, non. Attendez, non, c'est un gros truc. Vous vous accrochez, vous prenez des pauses plus ou moins efficaces. Et je voudrais la voir sur son power plate. Par rapport à Sarkozy, on nous dit qu'en une demi-heure de surplace sur un power plate, ça équivaut à 3 heures de musculation. Ouais, donc, mine de rien, c'est elle qui en fait le plus. Et c'est pour ça qu'elle garde cette silhouette de rêve que nous le voyons tous. Voilà. Vive le power plate, alors. Perry, vous êtes intéressé, alors, à un papier dans l'Express. J'avoue qu'il me laisse sceptique. Vous allez me donner votre version. Racontez-nous. C'est un petit papier, c'est pas un gros papier, mais qui est titré « Poisson ou pronostic ». Pourquoi ? Parce que Jacques Chirac, paraît-il, aurait téléphoné le 1er avril à Nicolas Sarkozy pour lui dire « Je pense que tu vas gagner ». Alors, je ne sais pas comment interpréter déjà cette première phrase. Est-ce que il dit ça pour se foutre carrément de sa gueule et lui faire un poisson d'avril parce que c'est le cynisme poussé au maximum ? Ou est-ce qu'il se la joue voyante, ça c'est une des options ? Ou alors, il a peut-être des infos en sous-main, des sondages qui ne seraient pas communiqués au grand public. Ça arrive souvent que les politiques aient des infos et des sondages. C'est-à-dire que moi, à mon avis, là-dessus, l'Express va pas assez loin. Parce qu'évidemment, c'est pas pareil si Jacques Chirac appelle Nicolas Sarkozy le jour du 1er avril et puis qu'ils ont une longue conversation, puis qu'au milieu de la conversation, il dit « Je pense que tu vas gagner ». Ça, c'est une première version. Si, en revanche, il prend son téléphone le 1er avril, il fait le numéro de Sarkozy, qui lui fait « Je pense que tu vas gagner. » Poisson d'avril, pouf, et qui raccroche. Là, il n'y a pas de doute possible, vous voyez. Philippe Gueluc, une photo dans Le Point qui vous a amusé. Simplement une photo, pas de commentaire, pas d'article. C'est la photo de François Bayrou en campagne, en Guyane, le 31 mars. Alors, on voit sur cette photo qu'il répète avec de jeunes et jolies danseuses déguisées en fleurs de colza. Ce n'est pas innocent. Fleurs de colza dont on fera de l'essence ensuite, en les pressant contre soi. On appelle ça là-bas le plaisir d'essence de colza. Bon, il est en train de répéter la danse du centre. Et non pas la danse du ventre. La danse du centre, c'est très simple. Ça, c'est une danse à trois temps. Ah oui. Je vous donne les paroles de la chanson. Je n'ai pas la musique, mais les paroles, c'est... un pas à gauche, un pas à droite et tu reviens au centre. Mets ta main à gauche, mets ta main à droite, mais mets-moi la main au centre. François Bayrou en campagne à Cayenne, en Guyane. Christine dans Paris Match, Sarkozy intime. Une photo, une seule photo. On dirait la scène quand vous regardez ça. On dirait la scène, Jésus au milieu de ses apôtres. Mais vous allez voir que ça n'est pas la scène. C'est les noces de Cana. Regardez bien. Sur cette photo, il y a deux bouteilles d'eau. Deux bouteilles d'eau. Maintenant, regardez bien le contenu des verres. C'est du vin. Il change l'eau en vin. C'est d'autant plus intéressant, je n'avais pas vu ce détail. Il faut dire que ce sont des agriculteurs, hein. Il est au milieu d'agriculteurs. C'est pas crédible. Et on sait que lui, Nicolas Sarkozy, ne boit pas normalement une goutte de vin. Ça lui avait même causé un petit peu préjudice, au point qu'il avait été obligé la semaine d'après, paraît-il, de se forcer à boire un coup. Il boit du jus de fruits. Et à l'époque de sa fameuse trahison, on le surnommait Judas Bricot. Qu'est-ce que vous avez fait, Gueluc ?
C'est rien, je dessine en écoutant. Non, c'est comme vous savez, au téléphone, on fait des petits... C'est quelqu'un du public? Non, voilà, c'est rien, ça veut rien dire. Hein. Ça veut dire qu'il est juste comme ça. J'aurais pas vu ce menton, là, quelque part, en début d'émission. Oui, ensemble, hein, oui. Bon, et si on lui met la goutonnée, ça... Quelle horreur! Notre dernier invité pour ce soir, c'est la star du journal télévisé de 20h. Bon, d'accord, sur une chaîne concurrente, mais vous allez quand même le reconnaître, je crois. Vous devriez, en tout cas. Si vous faites partie des inconditionnels de David Pujadas, oui, vous le reconnaîtrez quand même. Notre invité était écrivain. Il présente le JT depuis longtemps. Il aurait même annoncé, cette semaine, il va nous le confirmer ou pas, qu'il arrêterait en 2012. En attendant, vous pourrez toujours lire « Aimer, c'est agir, mes engagements, ce sont les siens d'engagement, c'est chez Fayard ». Voici Patrick Poivre d'Arvor. Bonsoir. Bonsoir Patrick. C'est vrai qu'on commence à s'inquiéter, là, parce que c'est un bouquin qui sonne un peu comme un bouquin, non pas de bilan, mais quand même, un bouquin où vous avez du recul sur ce métier de journaliste que vous avez pratiqué depuis des années. Et puis, en même temps, on apprend à la radio cette semaine, chez notre confrère Morandini, que ça y est, vous êtes fixé la date limite. Déjà qu'on savait qu'on n'aurait pas les JO en 2012. Mais si en plus vous choisissez cette année-là pour partir, Patrick, qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, ça fait longtemps que je l'ai décidé. Mais bon, là, je l'ai dit parce qu'on arrivait sur une campagne électorale et qu'on me demandait si je ferais la suivante. J'ai dit oui, et puis après, je tirerais ma révérence. Et c'est vrai aussi que, outre cette déclaration, ce bouquin sonne un peu comme un... Non, pas un bilan tout à fait, mais quand même un recul sur ce métier. Disons sur mes engagements, plus généralement en effet, pour l'UNICEF, pour Reporters sans frontières, pour la Maison de Solène, pour les adolescents en difficulté. Oui. Ça m'a intéressé de parler un petit peu de cet aspect du métier pour dire qu'on est dans une campagne électorale, que justement un journaliste a le droit, de mon point de vue, d'être engagé, mais d'être engagé sur ce genre de front, des fronts humanitaires la plupart du temps. Et puis pour le reste, bon, je pense que quand on est présentateur de journal télévisé, on doit garder pour soi ses opinions politiques. Oui. Ah, les opinions politiques, on est bien d'accord avec ça. Vous dites d'ailleurs même que quand vous aviez quitté, alors ça, c'est une petite vacherie pour notre copine Christine Ockrent, c'est elle que j'ai reconnue quand même, quand vous dites... Je ne l'ai pas cité. Ah, vous ne l'avez pas cité, mais enfin quand même, j'ai de la mémoire. Quand vous avez quitté Antenne 2 pour TF1, vous présentiez d'ailleurs, je crois à l'époque, si ma mémoire est bonne, en alternance avec Christine Ockrent. Exact, oui. Une semaine. Voilà, une semaine là, une semaine l'autre. Vous dites, bah, je suis parti parce que j'ai senti qu'on avait préféré donner les responsabilités du journal à quelqu'un qui était plus... On va dire dans la en bon rapport avec oui, je redis de mémoire, mais plus en bon rapport avec le gouvernement que moi. C'est vrai. Ouais. Non, c'était c'est elle que, dont vous parlez. Hein. Oui, bien sûr. Voilà. Ça m'amuse de lire ça parce que j'ai reçu il y a peu de temps Christine Ockrent et elle dit plutôt, c'est pour ça que je veux votre avis, Patrick, elle dit plutôt qu'à l'époque, vous n'aviez pas apprécié. Et pourquoi je resitue ça aujourd'hui? Vous n'aviez pas apprécié que ce soit une femme qui prenne le pouvoir sur vous. Non, elle a écrit un très bon livre, d'ailleurs, Madame là. Et j'aime bien, d'ailleurs, ses théories. Et je m'entends très, très bien avec elle. C'est certainement l'une de mes compétitrices favorites. Voilà. Mais simplement, la vérité, c'est ça. Bon, elle a été reconnue par tout le monde depuis. Bon, c'est fini. C'était il y a longtemps. Oui, c'était longtemps. Il y a plus de 20 ans. Oui, vous rendez compte. Mais Laurent, précisons, Christine Ockrent, c'est bien cette chanteuse qui dit couille dans votre émission du samedi soir. C'est ça. Bah, ça tombe bien que vous ayez pris la parole, cher Philippe, parce que je crois que vous avez beaucoup aimé ce bouquin. Ah oui, j'ai trouvé ce bouquin formidable, d'abord parce qu'il nous replonge dans toute la vie et l'œuvre de Patrick. Et puis j'ai envie de lui dire, alors Gigi, tu es revenu sur France 2 que tu as quitté il y a si longtemps. Je voudrais qu'il nous raconte ses débuts, comment il a obtenu ce prix France Inter du reportage, parce qu'il a été un journaliste de terrain. Et je voulais aussi lui demander si ce n'est pas une période qu'il regrette, si ça ne lui manque pas d'être cloisonné dans une pièce et de laquelle il ne peut pas sortir. Mais d'abord, ce reportage à Manille, je crois que c'était une interview de Monseigneur Santos. Santos, qui était l'archevêque de Manille. Oui. Et donc, je faisais ce reportage aux Philippines. Et c'était compliqué, les Philippines. Je ne m'en sortais pas trop bien. Alors, j'avais réussi à interviewer le type qui avait tenté d'assassiner le pape, Paul VI. Enfin, c'était déjà un premier coup, mais il me fallait un deuxième scoop. Et là, on me disait, mais ce bonhomme, il est inaccessible. Alors, il était archevêque, il célébrait la messe. Alors moi, je me suis glissé dans la sacristie et je me suis caché derrière les chasubles et autres instruments, parures, ecclésiastiques. Il a ouvert. Alors, j'ai eu la trouille, parce qu'ils sont très... Vous savez, ils ont toujours plein de pistolets là-bas. Enfin, à l'époque,
maintenant encore. Et puis finalement, ça s'est bien passé. Bon, il a accepté l'interview et j'ai gagné en partie grâce à lui. Voilà. Vous êtes allé au Darfour quand même récemment. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'en parle parce que dans votre bouquin aussi, vous évoquez l'histoire des Jeux Olympiques. Justement, tiens, 2012, les Jeux Olympiques. Vous dites que quand même, il faut penser éventuellement au boycott des Jeux Olympiques. Des Jeux Olympiques, en tout cas, pas boycott, mais forcément rappeler que l'année prochaine, quand tous les journalistes seront là, parce qu'il y aura 6000 journalistes qui vont venir là-bas, rappeler qu'il n'y a pas la liberté de la presse là-bas, qu'il y a des gens qui sont enfermés pour leurs opinions. Et il y a énormément de journalistes qui sont en prison là-bas. Si j'ai lié ça à votre voyage au Darfour, c'est évidemment parce que M. Bayrou, justement, un des candidats à la présidentielle cette semaine, dit, pour justement qu'on puisse enfin intervenir au Darfour, on sait, on a appris maintenant ceux qui sont intéressés à ça, que la Chine est le pays le plus gros acheteur au Darfour de pétrole. Et M. Bayrou dit, pour pouvoir agir contre la Chine au sein des Nations Unies et enfin avoir le droit d'intervenir là-bas, bah, peut-être qu'en faveur du Darfour, il faudra boycotter les Jeux Olympiques en Chine. Laurent Fabius, qui en revient aussi, dit la même chose. Et moi, je crois qu'il faut utiliser cette arme. Isabelle Alonso, un mot sur ce livre. Alors, un mot sur ce livre. Vous avez une position tellement privilégiée, tellement incontournable que je me disais, on va apprendre des trucs, ça va être super passionnant. Je vous avoue que les 75 premières pages, je me suis dit, c'est un peu lénifiant, politiquement correct, un interminable verre d'eau tiède. Je me disais, pourquoi il nous écrit ça ? Une espèce de, comme ça, de catalogue de tous les engagements possibles et imaginables. Bah, heureusement, plein de choses, heureusement, ouais, toi, oui, mais toi, t'apprendras quelque chose en lisant le bottin. Hein. Ça, c'est pas gentil. Non. Mais le bouquin devient de plus en plus intéressant au fur et à mesure que vous, vous incarnez vous-même dans ce livre, parce que vous parlez de vos engagements à vous. On savait déjà que vous êtes un homme très engageant. Vous parlez à la page 110 de votre instinct de chasseur et de votre flair de journaliste. C'est-à-dire que vous décrivez votre activité de journaliste un peu comme une activité de prédateur. Et c'est un regard que j'ai déjà vu chez vous dans certains cocktails parisiens quand vous observez les différentes présences féminines. Alors j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de croustillant dans votre bouquin, parce qu'on sait que c'est une partie importante de votre vie. Mais je vais vous poser une question très sérieuse. Aimer, c'est agir, c'est déjà beaucoup. Hein, il était venu pour nous parler d'un livre sur Don Juan. Enfin, c'est le Don Juan de l'audiovisuel, PPDA. Mais exactement. Déjà le titre, pardon, exactement. Mais aimer, c'est agir, ça veut tout dire. Ah, et agir, c'est parfois aimer. Je le pense. Aimer, agir, c'est alors, bien aussi. On nous donne, alors pour en revenir aux engagements, parce que c'est important, est-ce que vous n'avez pas l'impression que médiatiquement, on nous donne à compatir sujet après sujet en nous sollicitant à chaque fois, comme si l'humanitaire était devenu un marché à l'émotion sur lequel nous consommons de l'émotion comme nous consommons tout le reste, ce qui permet à l'État de se dégager de ses obligations de base. Vous avez raison, mais bon, Coluche, c'est la première chose que je lui ai dite quand il y a 20 ans, il a lancé les Restos du Cœur. Je dis, ah, normalement, c'est à l'État de faire ça, c'est vrai. Et puis en même temps, vous apercevez que 20 ans après, ça, non seulement ça dure, mais ça prospère, et qu'au fond, c'est utile. Oui, mais c'est atroce, mais c'est utile. Christine Bravo, que vous connaissez. Alors, elle l'a souvent raconté ici. Oui, mais ça y est, je te fais des infidélités. Mais je suis amoureuse de Laurent Delahousse. T'existes plus pour moi. Voilà. Il est très bien, d'ailleurs, ce petit Laurent. Très bien. Alors, effectivement, là-dessus, ce bouquin s'appelle « Mes engagements ». Et c'est là où je suis un peu réservée, parce que je trouve que c'est un peu nombriliste. C'est un peu moi-je. Alors, je te cite des phrases que j'ai sorties. Certes, j'ai eu le temps pour moi... Et elle s'y connaît. Écoute, une durée... Alors, certes, j'ai eu le temps pour moi, une durée exceptionnelle dans le paysage audiovisuel français, voire mondial. On me dit que jusqu'à l'heure, seul Walter Cronkite, puis Dan Razer... et Dan Razer ont aux États-Unis détenu ce record. Donc tu fais bien remarquer que tu as un record de longévité. Après, je pense avoir contribué à ma manière à constituer un nouveau comité de parrainage pour l'UNICEF. Mais je trouve, tu vois, quelques mois avant la mort de Jean-Paul II, j'ai été reçu en audience par le pape avec mon fils. Alors, c'est un détail dont on passe. T'entendre là-dessus. Oui, c'est un livre personnel. Bien sûr, évidemment. Si c'est marqué mes engagements, c'est que j'entends bien que ce soit un livre personnel.
professionnel et que je dise pourquoi je m'engage et pourquoi justement ce que j'aime pas trop dans le journalisme tel qu'il est enseigné en école de journalisme aujourd'hui, c'est qu'on vous prône la religion de l'objectivité. C'est pas possible d'être objectif. Parlons-en justement alors de ces engagements politiques, parce que ça vous le racontez aussi, ça j'ignorais que vous avez proposé même à Paris d'être candidat à la mairie de Paris. Oui, c'était pour l'UDF à l'époque. Oui, c'était un candidat d'aujourd'hui. Et vous avez toujours décliné. Mais quand même, est-ce que ça veut pas dire que vous... je crois que vous ne cachez pas votre âge, là, à 60-65 ans, vous aurez 65 ans si vous arrêtez en 2012. Est-ce que ça veut dire qu'à 65 ans, il y a une carrière politique qui s'ouvre devant vous, comme Cavada, par exemple ? Je ne suis pas sûr. Bon, a priori, pour l'instant, je dirais non. Mais enfin, là aussi, il ne faut pas dire. Faut pas dire. Fontaine, je ne boirais pas de moi. Mais en fait, c'est vrai qu'à trop les voir, à connaître leurs travers, à surtout voir la différence entre ce qu'ils vous disent en public et en privé, parfois, on a des petites réticences. Stevie, parmi tous ces engagements, quel est celui qui vous tient peut-être le plus à cœur ? Je pense que c'est la construction de la maison de Solène, c'est-à-dire cet hôpital pour les adolescents en difficulté et tout ce que je continue à faire autour de ça, parce que c'est vrai que ça me touche infiniment. Mais qui finance alors tout ça, la maison de Solène ? Alors, en grande partie, les opérations pièges jaunes, en très grande partie, et puis quelques donateurs privés, dont moi, mais ça a été en grande partie pièges jaunes, et ça a été formidable. Et Bernard Chirac a été vraiment formidable dans cette affaire. Ah bah alors, très bien, vous voyez, avec les pièces jaunes, plus avec François Hollande ou avec Cécilia Sarkozy ? On verra, ou ça peut être Françoise Bayrou, Madame Chivardi, quand vous y êtes. Perry Cochin. Je voulais vous poser une question un peu perso. Je voulais savoir, vous avez la réputation d'être un très grand dragueur. Vous savez ce que vient de dire Isabelle. Mais ma question. Je vous ai pas dragué. Ah non, pas moi, j'ai pas l'âge. Mais elle le regrette. Croyez-moi, tous les jours, elle fait, mais pourquoi pas moi? Non, ma question, c'est de savoir, est-ce que vous pensez que le pouvoir médiatique vous a apporté plus de succès auprès des femmes? Ou est-ce que vous étiez déjà avant... Non, avant, j'étais débordé, tellement timide et sauvage. Et c'est souvent les sauvages qui essaient de sortir d'eux-mêmes et qui en rajoutent peut-être beaucoup, qui y arrivent peut-être, je ne sais pas. Enfin, je pense que ça doit être né de cela. Non, mais on sait que le pouvoir politique apporte de la séduction, alors le pouvoir médiatique. Il y a peut-être un côté aphrodisiaque, en effet, au pouvoir politique, au pouvoir médiatique, ça c'est tout à fait possible. Ce qui a changé, c'est qu'avant, vous comptiez en unité, maintenant ils comptent en part de marché. Tu vois. Non, mais je pense que c'est pas tout à fait vrai. Il y a aussi des gens qui font de la télé régulièrement, puis qui n'ont pas un pouvoir de séduction. Enfin, je veux dire, plus grand. Tu parles pour toi, mais c'est pas vrai, Laurent. Non, il y a... Pardon de dire ça. Oui. Avant qu'on rencontre Patrick Poivre d'Arvor, là, c'est peut-être la troisième ou quatrième fois, on s'est très, très peu croisés. C'est un homme qui a du charisme, de toute façon, en dehors de la caméra. Donc je pense que ça devait ramasser de toute façon avant de faire de la télé, PPDA. Ramasser, comme vous y avez dit. Allez, pas des mots, quand vous étiez jeune giscardien. Ben non, moi j'aimais bien. Vous aviez bien dû ramasser des vieilles giscardiennes. J'aimais bien séduire. Voilà. Restez encore quelques minutes avec nous. On va être obligé, évidemment, de se quitter très vite parce que je sais que vous devez aller regarder le journal de David Pujadas. Mais Philippe Vandel vous propose la télé de Vandel. Je voudrais complimenter Patrick pour son émission Vol de nuit. Parce que dans votre émission littéraire, c'est une émission littéraire, normalement, ils invitent toutes sortes de gens. Ils invitent des essayistes, des écrivains, des romanciers, des historiens, des polémistes. Eh bien, vous aussi, dans Vol de nuit, vous parlez de livres. Et vous aussi, vous invitez toutes sortes de gens qui ont écrit des livres. On va le voir. Alors, vous invitez des blondes qui ont écrit des livres. Il y a également, vous allez le voir, des brunes qui ont écrit des livres. Vous invitez également des auteurs châtains qui ont écrit des livres. Vous invitez des jolies filles aux cheveux courts qui ont écrit des livres. Mais également des filles aux cheveux frisés qui ont écrit des livres. Et des jolies filles aux cheveux longs qui ont écrit des livres. Alors j'ai tout visionné. Vous n'avez invité aucune moche qui a écrit zéro livre. Et alors, il y a des gens qui ne connaissent pas Vol de nuit. Il y a des gens, Patrick, qui ne connaissent pas Vol de nuit. Et alors, s'ils ne connaissent pas, je vais vous montrer, on peut dire que j'exagère, je me fais des idées. Je faisais le journal du Hard avant et je dois dire que je suis un petit peu jaloux. Voilà ce qui peut se dire sur votre plateau. Attention, bombe atomique. Ou en gros, Attention, bombe atomique. Elle peut toucher ce qu'elle approche. Vous l'avez revu, Diane ? Parce qu'au fond, ce n'est pas un apprentissage pour justement assouvir l'essence des hommes. Et vous avez remarqué que plus les filles sont jolies, belles, c'est quand même votre cas, plus elles se maltraitent dans les livres aujourd'hui. Bonsoir à tous ou rebonsoir. Comme c'est mon anniversaire aujourd'hui, je me suis offert un très beau plateau féminin. Voilà, donc ça s'appelle Bleu Profond et non pas Bien Profond, comme vous avez essayé de me faire croire.
C'est salaud, Vandel. Mais c'est juste, mais c'est vrai que c'est beau. Oh, il y avait un plan de coupe où on voyait quand même Van Kovelaert, donc on voit bien qu'il y a de temps en temps des hommes qui réussissent. Ah, ça vous a gâché votre plaisir, Van Kovelaert. Patrick Poivre d'Arvor, aimer, c'est agir chez Fayard. Trois photos, très vite on réagit. Regardez, Patrick, ça s'appelle Info-réaction. La première, oh, c'est tout simple, hein. C'est Laure Manaudou dans VSD qui sort en kiosque aujourd'hui. Alors surtout si on fait un gros plan, pardon, mais alors ce tatouage, on a... ça, alors là, ils sont quand même un peu gonflés à VSD. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Christine? Elle a mieux. Ah, c'est le même. C'est le même? Oh là là, ouais. Mais si... Et en plus, vous êtes foutu pareil. Oui, oui, oui. J'en ai un autre plus important. Quoi? Non. Elle s'est mise en jupe. Il est 19h. Il y a des enfants. Ah non. Oh. Laurent Forever. Alors, Manaudou. Vous l'avez déjà eu sur votre plateau, Laurent Manaudou? Oui, oui, oui. Bah oui, vous avez écrit un livre. Non, mais je l'ai interviewée parce qu'elle est aussi, comme vous l'avez remarqué, sportive. Hein, donc, ça nous arrive d'interroger aussi des sportifs. Et c'est une vraie championne. Ah, elle, oui, vous impressionne? Ah oui, oui. Bon, ouais, admiratif. Si, elle a le droit de tout faire. Oui. Bah, je trouve, avec ce qu'elle vient de nous proposer comme succès, elle a le droit de tout faire. Autre photo, oh, ça prend 3 secondes, c'est juste pour qu'on rigole ensemble. Voilà, c'était dans France Soir. Une nouvelle façon de balader son chien. Ça, vraiment, c'est... Vous avez... ça, encore, c'est gentil, parce qu'ils l'ont pas mis exactement derrière les gaz d'échappement. Hein. C'est super sympa. Ouais. Ouais, c'est vrai. Quand même attentif. C'est vachement bien comme technique, je suis pas d'accord avec vous. Ah oui? Ben oui, parce que... Mais non, mais ça dépend sur quelle route tu es, mais si tu es sur une petite route de campagne ou je ne sais quoi, c'est vachement bien, parce que tout d'un coup, le chien, il peut vraiment se dépenser. Si c'est un chien qui a besoin de courir à Paris, il n'a jamais l'occasion de courir. Et si t'as plus d'essence, il te ramène à la maison. Dernière photo, vous allez comprendre pourquoi on l'a choisi, parce que voilà, Patrick, qu'est-ce que c'est que ça encore? Avec c'est une position du Kama Sutra. Dans Gala cette semaine, avec Anne-Sophie Lapix. Ouais, bah, enfin, vous avez remarqué quand même qu'elle est du bon côté. Parce que si j'avais été de l'autre côté, on aurait... qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit? On a la photo suivante, il n'y a pas qu'à dire. Et vous êtes tous... Allez, merci pour toutes vos réponses. On a essayé de vous taquiner. Patrick Poivre d'Arvor. Aimer, c'est agir. Il va en tout cas agir jusqu'en 2012. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Demain soir, on se retrouve. Ce sera vendredi. Ne ratez pas l'émission vers 18h45 maintenant. N'oubliez pas. Bye bye. À demain.